CSB Jeanneval, c'est un club que j'aime beaucoup. Et bah, tu sais, c'est 50 ans, alors je suis super contente. Il faut savoir que ça va faire plus de 8 ans que tous ces mecs-là, donc cette équipe Barjo, équipe de France 95, ne s'étaient pas retrouvés pour fouler un terrain. On va aller dévoiler la plaque au nom de Stéphane Stocklin, notre joueur bergalien de souche. Une super reconnaissance voilà, d'avoir la plaque qui porte mon nom dans cette belle salle de Beaurain. Laisser une trace, c'est quand même quelque chose pour, dans la vie d'un sportif. L'avenue des Barjo ici ce soir, ça va être vraiment super sympa. Je pense que le match va être hyper drôle et c'est vraiment... on aura des petits yeux qui brillent quoi, et ça c'est chouette. C'est des gamins qui rêvent, c'est des victoires, des défaites, tout ça réuni sur des panneaux, c'est tout ça réuni sur des terrains. Donc voilà, c'est un moment pour vivre de grosses émotions. C'est un joli rendez-vous et qui en groupe du monde à Bourgoin et ça vaut le coup. Les impressions, déjà, il n'y avait pas de blessés, donc c'est bien. Ce qui est bien, c'est que de se revoir tous ensemble. C'est vrai que là, l'effet de venir ici à Bourgoin, c'est la terre de Stéphane Stocklin, comme on sait que voilà, on a partagé tellement de belles choses avec Stock, ben, on voulait surtout le rendre hommage et valoriser aussi ce gymnase qui porte son nom. Et le fait de se retrouver tous ensemble, ben, ça donne envie justement de prendre du plaisir et d'en donner. C'est un super, super rendez-vous qu'on attendait nous depuis un moment. Alors après, bon voilà, on retrouve des vieilles gloires qu'on a un petit peu connues, mais bon, il y a une classe d'âge qui fait que voilà, on jouera peut-être un moment contre eux, je ne sais pas. Au-delà de 50 ans, je crois qu'il faut qu'on arrête le sport, qu'on fasse courir les jeunes et que nous, on entraîne ou on fasse autre chose parce que là, c'est trop difficile. Oui, je trouve cette journée assez bien parce que ça permet aux jeunes du club de pouvoir s'améliorer et en même temps voir le niveau des autres. Alors pour moi cette journée c'est l'occasion de tous se rassembler, de vraiment partager des moments avec les filles avec qui j'ai joué, partage avec tout le monde et ça fait incroyablement plaisir. On n'a pas forcément l'occasion de se retrouver très souvent du fait qu'on soit éparpillé un petit peu à travers le monde. Grâce à un peu tout le monde, grâce à la mairie de Beaurain, grâce au club de hand de CSBJ, voilà, qui ont fait de cette journée un rassemblement.